la semaine de la poésie, nous avons choisi de vous présenter un texte d'Aimé Césaire. Mais c'est qui Aimé Césaire? Aimé Fernand David Césaire est né à Basse-Pointe le 26 juin 1913. Son père est fonctionnaire et sa mère couturière. Il a 6 frères et sœurs et son grand-père était le premier ancien noir de Martinique et sa femme savait lire et écrire. De 1919 à 1924, Aimé Césaire va à l'école primaire de Basse-Pointe, puis il est boursier au lycée Schœlcher à Fort-de-France. En 1931, il suit une classe d'hippocagne au lycée Le Grand à Paris. Il y rencontre Léopold Sandard Senghor avec qui il sera ami jusqu'à la mort. En septembre 1924, Césaire cofonde le journal L'étudiant noir et c'est de là que va naître le terme de négritude qui vise à désigner l'oppression culturelle de la colonisation française. En 1935, il entre à l'école normale supérieure et commence à écrire cahier d'un retour au pays natal terminé en 1938. En 1937, Césaire épouse Suzanne Roussy, une étudiante martiniquaise. En 1939, agrégé de lettres, il rentre enseigner en Martinique avec son épouse. Durant cette période, l'île est aliénée culturellement avec d'autres intellectuels martiniquais. Le couple va fonder Tropique en 1941 et se battre pour que la situation évolue. Mais durant le blocus de la Seconde Guerre mondiale, les conditions de vie se dégradent et la censure freine la jeune revue. À cette période, André Breton séjourne en Martinique et rencontre Césaire, dont il rédigera la préface. Cela marque un rapprochement avec les surréalistes. Césaire devient le nègre fondamental et inspire de nombreux écrivains. En 1945, il devient maire de Fort-de-France, puis député jusqu'en 1993. Il souhaite obtenir la départementalisation de la Martinique pour lutter contre l'emprise béquée. En 1947, il crée avec Alune Diop la revue Présence africaine. En 1950, Césaire publie Discours sur le colonialisme qui souligne la ressemblance entre nazisme et colonialisme. Il quitte le PC en 1956 et fonde le Parti progressiste martiniquais en 1958. Maire de Fort-de-France jusqu'en 2001, Aimé Césaire développe une politique culturelle forte ainsi qu'une politique de création d'emplois. Plusieurs festivals annuels sont créés qui permettent de soutenir les cultures martiniquaises et les arts populaires. En 1994, son discours du colonialisme entre en programme du baccalauréat ainsi que cahier de retour au pays natal. Bien que détaché de la vie politique durant ses dernières années d'existence, Aimé Césaire conserve une grande influence et tout le monde le sollicite. Aimé Césaire décède le 17 avril 2008 à Fort-de-France suite à des problèmes cardiaques. Sa mort provoque immédiatement de nombreuses réactions. Les hommages se multiplient, qu'il s'agisse des personnalités politiques ou du monde de la littérature. Des obsèques nationales ont eu lieu le 20 avril 2008. Il est inhumé à Fort-de-France. L'écriture d'Aimé Césaire. Ma négritude n'est pas une pierre. Sa survie est rouillée contre la clameur du jour. Ma négritude n'est pas une tête aux morts sur l'œil mort de la terre. Ma négritude n'est ni une tour, ni une cathédrale. Elle pleure de la chair rouge du sol. Elle
blanc de la chair ardent du ciel. Et pour la capitaine au bac de sa droite patience. Et y'a pour le caïssetant royal. Et y'a pour ceux qui n'ont jamais rien inventé. Pour ceux qui n'ont jamais rien exploré. Pour ceux qui n'ont jamais rien tenté. Mais ça va dans l'idée. À l'essence de toute chose. Ignorante des surfaces, mais c'est par le mouvement de toute chose. Insoucieux de dompter, mais jouant les jeux du monde, véritablement les fils aînés du monde. Poreux à tous les souffles du monde, lissandrin de toutes les eaux du monde. Étincelle du feu sacré du monde, chair de la chair du monde, palpitant du mouvement même du monde. Tiens, petit matin de vertu ancestrale. Sang, tout notre sang ému par le cœur mâle du soleil. Ceux qui savent la féminité de la lune au corps du lit. L'exaltation réconciliée de l'antilope et de l'étoile. Ce dont la survie chemine à la germination de l'air. Et il y a parfait cercle du monde. Éclose corps condense. Écoute sa victoire, prodis-toi, promettez sa défaite. Écoute aux alibis, grandiose, son pierre qui est très du chemin. Pitié pour nos vainqueurs, omniscient et naïf. Pour ceux qui n'ont jamais rien inventé. Pour ceux qui n'ont jamais rien tenté. Et y'a pour la joie. Et y'a pour l'amour. Et y'a pour la douleur au pied de l'âme réincarnée. Aimer ses airs. Parmi moi, de moi-même, à moi-même, hors toute constellation, à mes mains serrées seulement le rare hoquet. D'un ultime spasme délirant.